3. Chaque année, depuis 40 ans, une rando santé mutualité est organisée par la Mutualité française avec la collaboration du comité régional de randonnée. Aujourd'hui, nous sommes à Bozoul dans l'Aveyron. Il n'est pas commun de recevoir sur un site comme Bozoul 1000 randonneurs la même journée. Une rando santé exceptionnelle organisée en même temps dans 5 autres départements de la région Occitanie pour que chacun prenne soin de sa santé. Cette rando, elle a été toujours ouverte à tous les publics. Donc que ce soit les personnes âgées, les enfants, les mamans avec des poussettes, les handicapés, c'est pour ça qu'aussi nous avons un circuit pour les personnes à mobilité réduite et nous y tenons beaucoup. Les participants traversent le vieux village sur le site prestigieux du Trou de Bozoul. C'est nous qui avons trouvé les circuits et qui avons balisé et organisé les différentes randonnées. Un point de ravitaillement a été installé sur les terrasses naturelles du site. Il y avait le petit-fils, toute la famille. Et nous avons lié à cette randonnée donc un village santé. Ce village santé apporte des conseils sur l'activité physique et la santé. Marche nordique, qigong, test de vue avec les opticiens mutualistes, informations sur les dépistages. Fin de la rando santé et premières impressions. Magnifique, il nous manque que la ligo. Et à l'arrivée, tout le monde est invité à prendre un petit casse-croûte. J'ai fait de la randonnée et ça m'a plu. Nous avons un avantage énorme dans ce département, c'est l'investissement des militants mutualistes. Dans tous les cas, en Aveyron, la rando santé mutualité, ça marche. Je m'inscris pour l'année prochaine, ça c'est sûr, oui.